Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Antoplémo. Donc aujourd'hui je vous présente la Porsche Mission E ou Mission I de Rex Dasher, donc un des héros du film Playmobil sorti le 7 août. Donc c'est adapté pour les enfants de plus de 6 ans étant donné que c'est télécommandé. Il y a 24 pièces et c'est la référence 70078. Donc j'ai acheté cette Porsche aux alentours de 56 euros. Elle est tout simplement plus chère que les autres Porsche car celle-ci est télécommandée, voilà, donc parce que les autres Porsche Playmobil sont souvent aux alentours de 30 euros et celle-là 56 environ, mais bien sûr dans la boutique Playmobil elle est à 70 euros, enfin 80 même, 70 euros c'est en Allemagne. Donc elle contient la Porsche, sa télécommande, une borne pour recharger cette voiture. Donc un espèce d'écran ou de tablette, je sais pas quoi, un ordinateur, un GPS et le personnage Rex Dasher. Donc on peut aussi télécommander cette voiture depuis son téléphone en installant une application. Et donc voilà la notice de montage. Donc voilà la figure de Rex Dasher avec ses belles lunettes et sa montre. Après donc on a la pompe, enfin la prise électrique pour recharger la voiture avec toujours le signe Porsche. Et ici on a ces trois matériels d'agent secret, donc l'ordinateur, la tablette et le GPS. Ensuite, donc on a la télécommande qui est fondamentale car c'est grâce à elle qu'on peut allumer les phares de notre voiture. Donc il faut noter aussi le petit système très ingénieux pour cacher la prise. Donc là c'est pour avancer, tourner à droite, allumer, et ici c'est pour régler les vitesses et là l'axe des roues. Et enfin, vous l'attendez tous je pense, donc la voici, la voilà, la belle Porsche. Donc voilà, là on reconnaît bien que c'est une Porsche. Là on a les phares, là on a les roues qui peuvent tourner. Donc les portes ne s'ouvrent pas comme dans la plupart des voitures Playmobil. Donc c'est les magnifiques enjoliveurs qui donnent vraiment du style. La plaque d'immatriculation. Encore le signe Porsche avec le phare arrière qu'on verra en action tout à l'heure. Là encore le même côté et ici donc ça s'ouvre pour pouvoir brancher notre voiture et la voilà branchée. Ensuite donc regardons de plus près l'intérieur de la voiture. Donc là on a le tableau de bord avec pas mal d'accessoires d'agents secrets. Voilà, donc des sièges très jolis. Et voilà, donc la voiture est aussi décapotable, ce qui la rend aussi très jolie. La voilà. Pour fonctionner la voiture, donc vous allez tout simplement appuyer sur le petit bouton on. Ici, à ce moment-là, donc si tout est normal, les phares devraient se mettre à clignoter. Comme on peut le voir ici. Voilà, donc en fait ils vont clignoter jusqu'à ce que vous appuyez sur le on de la télécommande. Car là, hop, il ne clignote plus. Donc ça prouve qu'elle est bien allumée. Et ensuite, donc là on peut régler la vitesse. Donc là comme c'est sur mon bureau, je vais mettre la vitesse, vitesse assez basse. Voilà, et ensuite donc on a juste à appuyer sur avancer pour avancer et reculer pour reculer. Et donc comme je vous le disais tout à l'heure, donc c'est grâce à ça, entre autres, qu'on peut voir les phares s'allumer. Donc vous appuyez sur le petit bouton ici. Voilà. Et maintenant, on voit les phares. On voit pas très bien parce qu'il y a le flash, mais je peux vous dire que ça rentre très bien dans la réalité. Et ensuite, bien sûr, on a les phares à l'avant.
là qui sont aussi très jolis car en plus ils sont en 3D, ce qui change des autres Playmobil. Voilà, donc la partie déballage de cette boîte est terminée. Donc il reste la deuxième partie où donc, je vais vous montrer à peu près comment elle avance, etc.